Bonsoir tout le monde, bienvenue pour un nouvel épisode sur Dead Space. J'ai oublié un truc. Bonsoir tout le monde, bienvenue pour un nouvel épisode sur Dead Space 2. Personne. Alors, maintenant qu'on est revenu pour une nouvelle session où la luminosité est bonne, à pouvoir se réamuser. Comment on court déjà? C'est pour ça. C'est ça. Ça c'est purement pour mon plaisir personnel. Qu'est-ce que j'ai comme objet? Ouais, c'est pas mal. C'est bien. C'est bien. Donc on va pouvoir continuer. On va pouvoir continuer, on va pouvoir voir jusqu'où on peut aller aujourd'hui. Donc on va à la mezzanine du plexus. J'ai toujours l'impression que le plexus c'est genre une partie du corps. C'est complètement débile. Mais ça fait penser à ça. Alors, c'est bon. Mec! Je croyais franchement que j'allais te laisser passer comme ça, toi. Hey Dana, un type bizarre essaie de me contacter. Mm-hmm. Je l'ai rencontré à l'hôpital. Nolan Strauss, bon. Ancien patient du projet, tout comme vous. Hein? Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il veut? C'est un psychopathe, Isaac. Méfiez-vous de lui. Il a tué sa femme et son fils. Ok, j'ouvre l'œil. Bon, d'accord. Bah, c'est peut-être pas sa faute. Message. Histoire de la conquête spatiale, Titan, renaissance d'une lune, une colonie d'envergure fut établie sur Titan, désassemblage, démantelé les succès, puis traité à une vitesse impressionnante. J'espère que le son est moins fort, je l'ai baissé un peu quand même. La statue est toujours jouée appelée la Méduse en raison de son aspect tentaculaire. Il n'y a pas que ça, pas qu'il est tentaculaire, mon petit. On était où avant? On était en dessous? Oh! Oh! Il y a de la techno là derrière, c'est super cool. Oh, un objet. Des crédits. Très bien. Je préfère toujours rester l'arme au point. Au cas où. De toute façon, on va devoir aller là. N'y aurait-il point un objet? Attention. Oh bah d'accord. Hop, des crédits. Je surveille juste un truc. Pas de bon. Ok. Bon bah allons-y, avançons. Oh, ça ressemble au monolithe. Super. Encore un message. Oh, putain, c'est possible. Y'a que ça. Sur les traces d'Altman. À l'intention des disciples de Michel Altman. Nous, enfants du monolithe, dénonçons la politique de... Oh putain, mais sérieux, vous avez fait une église encore? Dénonçons la politique de répression menée par le gouvernement à l'encontre de la liberté de culte. Ce l'église... Oh là 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 là. C'était déjà parti en couille hein, sur l'Ishimura. Hein. Il y avait eu un culte encore. Je vais me faire attaquer. Je vais me faire attaquer. Hop. Hop, le temps que ça s'assasse. Soit l'un, soit l'autre. Non, 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 reviens. Reviens. Ok, c'est bon. C'est un petit peu trop calme. Je croyais me diriger vers les résidences. On dirait un lieu de recrutement unitologue. Je me suis perdu? Oui. Il y a un vieil accès de maintenance qui vous conduira jusqu'au tour Cassini par le système de tri des ordures. A plus. Le système de tri des ordures? Bon. Encore un message? Putain, mais il y en a tout le temps! Église d'unitologie de Titan. Ouais, mais merde quoi. Si on se retrouve dans une église, on n'est pas sorti.
Pour l'instant, c'est un... J'allais dire, pour l'instant, c'est un début des... Waouh! Oh oh, merde, merde, merde. J'allais dire, pour l'instant, c'est un début des... Ah! Fils de pute! J'allais dire pour l'instant c'est un début d'épisode calme, mais ta mère la pute! Oh! Donc, maintenant que ça c'est fait. Ah non! Non! Je peux refaire comme un. Marche arrière! Marche arrière! Et merde! Tant pis. Tant pis, tant pis. Bon, on avance, hein. On a pas le choix. Hop. Voilà, parfait. Voilà, au moins, lui. Je suis sûr qu'il viendra pas m'embêter. Pas non plus. T'es qui toi? Ok. Vous qui regardez ça, écoutez-moi bien. Vous pouvez récupérer l'élément de coupant par kinésie pour ensuite la tourner contre eux. Regardez. Regardez bien. Oui. Ça fait 3 heures que je survis comme ça. Hein. T'es mort. Oui. Retournez-les contre eux. Mais t'es mort, mec. Compacteur d'ordure. C'est ça, on n'a pas loupé. J'espère que ça pourra vous aider. Qui que vous soyez. Ouais. Mais t'es un peu mort, mec. Ça marche pas. Alors attends, si je peux. S'il faut pas que j'aille là, je vais y aller. Ah ok. D'accord. Faut jamais avoir un truc alors. Salle de contrôle. Putain, y'a un bordel là. Bon, ça fait déjà du bien quand il n'y a plus de bruit. Ok. Alors, toi, est-ce que j'ai des points de force? J'en ai 3, donc on va en utiliser 2. Je peux augmenter ma capacité en air. Là, c'est juste un comme ça. Là, je pourrais augmenter quelque chose. Le fusil. On va faire la capacité. Et on va faire ça. Allez. Je pense qu'on est bien. On est bien avec ça. On va faire le point de sauvegarde habituel. S'il fallait juste arrêter le compacteur, il est très probable que là j'ai plus rien à lancer et que quand je vais ressortir, je vais me faire attaquer. Parce que ça s'appelle un jeu prévisible. Et puis avec le message du mec qui dit utiliser leur machin contre eux. Voilà. Waouh! T'as oh, fils de chien! Ah! Ça marche pas, ta télékinésie de merde! Elle marche pas!
T'as compris ça? Piste de crotte. Oh, incroyable ça. Bon, avançons. Entrée zone sans gravité. Ah, c'est différent. Faut que j'aille où? Faut que j'aille là-bas. Donc on va aller là. Tu m'excuseras, hein. Un petit point de force. Là c'est fermé. Quand tu te fais attaquer dans les zones sans gravité, c'est assez chaud en plus. Regarde. J'allais là-bas. On va récupérer le petit kit de soins. Ah. Parfait. Oui, je voudrais bien ouvrir là. On a compris le jeu. Voilà. Ah. Ah oui, c'était ça. Tant pis, c'est pas grave. Alors, appartement Cassini. Agrégation refusée par le système sanitaire. On prend pas les techs. Ça va ouvrir la porte normalement. Voilà. Et donc, moi, si apparemment j'aille là-bas, ça va être chouette. Va-t-on se faire attaquer par une quelconque bestiole? Attends, déjà il court. Déjà, il va falloir gérer comme ça. Ouh, que c'est lent. Ah, un projet là-bas. Parfait! Parfait! Très facile! Très facile. Merde, il est tombé l'autre objet. Ah, pas cool ça. Pas cool du tout. Plus tu les entends quoi. Vous êtes où? Là. Où c'est que je suis censé te mettre toi? Ah bah oui, là, je suis bête. Voilà. Ah, c'est du bien. Ça va mieux. Ça va mieux. Il y a un verrou de force là. Ah ah. Là par contre ça fait chier, c'est un truc pour l'armoire. Enfin pour l'armure, plutôt. Du coup ça saoule un peu que ça marche pas. Si. Ça, ça va être une salle avec plein d'objets normalement. Ah oui. Ah oui. Parfait. Toi, je préfère t'enlever la tête. Ça s'appelle une mesure de sécurité. Ça, c'est bon. Une intruse. Alors, maintenant qu'on a fait ça, on va reprendre l'ascenseur. Jamais dû faire ça. Toujours viser la pièce qu'on ouvre. Toujours. Parce qu'on sait jamais ce qui peut sortir. Bon.
Donc là, on va vers les appartements Cassini. Normalement, zone résidentielle, tout ça, bien. Petit point de force, tranquille. Ils sont généreux en point de force, hein. Je trouve que le premier n'était pas aussi généreux. Ah, oh, ça recommence. Ça recommence, ça y est, ah, ça je m'en souviens, ça. Oh non, pas les petits nerfs là. Petit sursaut. Message de Sally NN à Mario NN. Ok, Mario, c'est Sally. Je te laisse ce message pour le moment où tu viendras récupérer mes affaires. J'espère ne rien oublier. Non, la renaissance va bientôt avoir lieu. C'est pas une renaissance, merde. C'est beau, ça allait crever. C'est pas chouette, quoi. Mais qui m'appelle? Je l'entends, le. Croyais sérieusement me faire peur. Du coup, je suis content dans le fusil d'assaut parce que pour affronter, tu vois, les petites merdes là, et eh ben c'est super bien. J'imagine que l'objectif se trouve à côté. Puis, je lui ai bien arraché sa gueule. Y'a rien du tout ici. Merde. Casse-toi, toi. Oh, pas cool. Un mini monolithe. Est-ce que juste je peux... Voilà, c'est bon. Je l'ai démembré. J'ai la paix. Ah voilà, ça c'est un peu, ça c'est pas trop sympa ça. Ah, salut chérie. Mais me faire attaquer, ne pas me faire attaquer. Ah, je me suis pas fait attaquer. Oh, les chiottes. Y'a rien les chiottes. Je peux pas aller vite plus de moi. Faut que j'aille là-bas. Alors on va continuer à explorer. Là par contre je vais... très probablement... me faire attaquer. Bah, y'a un truc qui fait un sacré bruit hein. Attends, monde mort. Ah bah non, ça je peux. Ça je peux pas non plus. Ça je peux pas non plus. Bon bah tant pis hein. Non bah y'a rien. Bah y'a rien. Avançons. Dana, les soldats de Dynamite sont là. Ils me cherchent avec un hélico. Ah, t'appelles ça un hélico toi? Plus vite. D'accord. Bah on va courir, au cas où. Tour Cassini, L-Est. Ok. Oh la vache. Oh la pute. Oh la pute. Oh. Ah ouais. Ah oui, là, c'était sympa, là. Putain, mais ils se ressemblent tous. Merde. Crève, toi. Ok, pas d'objet. Ok. Il faut faire gaffe, parce que c'est dans un ascenseur. Ils t'en mettent un qui explose. Mais alors,
T'es dans une merde si t'es pas préparé. Petit point de sauvegarde. On va le faire. On va le faire. Ça va aller. Il y a des trucs. Elle pue la celle-là. Voilà. D'accord, ça s'est fermé. Ok. Il y en a encore. Il y en a encore. Ah bah. Facile. C'est bon? Ah non, c'est pas bon. C'est bon. Encore? Ou pas encore? Je crois que je l'avais pas entendu, mec. Un autre. C'est fini! C'était facile! Ah là là. C'est quoi ça? Un schéma. Pour des javelots? What? D'accord. Alors. Toi, tu vas me donner des munitions. Toi. Ah. Je suis full. Je suis full full. Il est où celui qui a explosé en fait? Parce que... Bon bah, il a fini en trop peu de morceaux pour que je puisse savoir. Les autres, ils ont disparu. Carrément. Attends, j'essaye un peu d'explorer au cas où il y a des objets, mais il y a rien. Fait sombre, hein, aussi, hein, par contre. Hein. Putain, c'est sombre. Tu vois, genre, là, j'en ai pété un. Juste ici, le cadavre, il a déjà disparu, quoi. C'est un peu une arnaque, hein. La porte est magnifique. On va peut-être pas tout écouter, hein. C'est en gros, c'est leur bible à eux, hein. Effectuons des recherches sur Terre dans le cratère de Chicxulub. Je sais pas comment le monolithe il fait pour fonctionner, enfin pour rentrer dans l'esprit humain comme ça et lui faire croire que lumière. Alors attends, on va juste écouter le dernier. Donc la convergence et la transformation en nécromorphe. Relation au monolithe afin de comprendre ce qu'il nous réserve pour le futur. Le monolithe. Ah, c'est étonnant comment ça fonctionne le bordel là. Hein. Ça les. C'est de la doctrine. Hein. Pourquoi pas. Alors. Que ça pue à la merde. Faut que je me dépêche. Là encore? Épisode 4. Déjà? Ah non, ça va mieux. D'unitologie. Pourquoi? C'est l'un des seuls endroits que Tideman ne surveille pas sur tout temps. L'église est séparée de l'État. Non, Vena, on devrait pas. C'est le dernier endroit où je voudrais aller. Isaac, bah oui. Mon frère s'est sacrifié pour vous sauver. Les gens sont fous là-dedans. Ça doit marcher. Je suis dans une salle en haut de l'église. Venez là, ok? Alors. Comment ça marche pas? Utilisez avec le traceur pour trouver. Il faudrait que j'aille là-bas. Mais à mon avis, je vais devoir faire les deux de toute façon. Donc on va aller là-bas.
on va pas tarder à... Oh là 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 là. On va pas tarder à arrêter. Putain, ils ont fait une sacrée église, les connards. Oh, il y a plein de cadavres. S'il y a une chauve-souris. Une seule chauve-souris. Je suis dans la merde. Une transmission. La cathédrale a enregistré deux cycles de pressurisation lors du service de dimanche. L'un fut négligeable et n'a fait qu'éteindre quelques bougies, donnant ainsi au pasteur O'Brien un, je peux bien le dire, sursaut salutaire. Le second fut bien plus violent, causant des turbulences qui ont envoyé des fidèles à l'infirmerie. C'est un attentat. Ah. L'église a été attaquée? Ou vous vous êtes juste transformé, bande de... Bande de glands. Oh putain, une chauve-souris. Ah puis c'est des rapides. Mon inventaire est plein. Je devrais utiliser le trancheur un petit peu, parce que je m'en suis pas servi. Ça, ça me permettra de m'en servir. Ça arrive d'où? Non, c'est pas arrivé de derrière. Très bien. Ça veut dire que je vais pouvoir les laisser arriver. Ou pas, parce que le bruit me fait vachement penser que... Ah non, il est là. Allez, viens, poteau. Un autre. Le trancheur est efficace. Ouais, c'est une bonne arme. C'est une bonne arme. Ok. Tu vois, ne pas trop avancer, parfois, c'est une bonne stratégie. Par contre, elle a fait quand même putain de sombre, hein. Mais voilà, hein, c'est ce que je dis, hein. C'est ça le prix de chauve-souris. Tu comprends le sens à... NON ! Oh, mais merde un peu ! J'aille là ? J'aimerais bien un point de sauvegarde pour arrêter l'épisode d'aujourd'hui. Oui, mais ça je peux pas. Oui, on... Je comprends pas du tout où je vais. C'est génial. C'est très linéaire, mais je comprends pas où je vais. Faut que j'aille en face. Bien sûr, il faut que j'aille en face. Eh ben, on va pas y aller. Détruisez les fusibles pour désactiver les verrouillages. Alors, attends, on va faire ça avec ça. Ah. C'est bon, j'ai le trancheur. Ah, bien ça. Très bien ça. Okay. Donc on va en face. Avez-vous déjà eu le sentiment de mériter mieux que votre vie? Alors l'unitologie est là pour vous aider. Fondée il y a 200 ans par notre sauveur, Michael Altman. Et là, je casse la porte. Le con! Hop. Juste, ça te dérange pas, meuf. Je t'éclate un petit peu. Il va falloir que je mette ça ailleurs. Mais où? Ah bah voilà.
Ça, ça ferme la porte. Ok. C'est beau, hein, Titan. On va passer un peu de temps. C'est beau. Viens placer le fusible de la porte du centre d'observation. L'église condamne les actes de vandalisme. Mais ta mère à la pute, sinon. Oh merde. On va me refaire attaquer. Ah non. Alors. Un petit coup de stase. On charge. Allez. Ouais, c'est pas très gentil, hein. J'ai pas vraiment envie de mourir. Un point de sauvegarde. Eh ben voilà, on va arrêter là. On va arrêter là pour aujourd'hui. On a fait un long épisode, là, je pense. Et j'espère que ça vous a plu. On se retrouve très vite, du coup, pour un nouvel épisode sur Dead Space 2. Merci à tous. À la prochaine. Salut !